Salut, c'est Félix. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce qu'on va tout simplement tester un produit que j'aimerais bien vous faire connaître pour ceux qui connaissent pas? Parce que, au final, ça peut être vraiment super fun à faire. Vraiment, moi je trouve ça fun, mais c'est utile quand même. Donc, voilà, je vais vous montrer en fait. C'est un produit qui rend imperméable les habits ainsi que les chaussures, etc. Mais le truc en fait, c'est que nous on va le tester un petit peu avec plein de produits. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, hein. Réellement, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Mais au moins, on va quand même retester. Puis, au moins, voilà, vous savez même pas ce que ça peut faire sur des Yeezy avec du ketchup de la moutarde et tout. Par exemple, vous êtes à la cantine et vous faites tomber de la sauce ou je sais pas, vous voyez. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'était pas avec de la sauce, mais du savon et ça a complètement niqué mes chaussures. Genre, c'est là, ça a déteint et tout, j'avais le seum. Et genre, j'aurais ça, j'aurais sauvé mes chaussures. Bref, du coup, on va déjà, dans un premier temps, asperger les chaussures avec le produit. Je fais déjà celle-là. Et c'est pas non plus une marque reconnue, le produit que j'ai. Attendez, hop. Je vais faire doucement quand même parce que je suis dans ma chambre et je veux pas mourir, quoi. Ok, donc la pointure est faite. Mais je vais ouvrir les fenêtres juste après, hein, parce que là, j'en peux déjà plus, gros. Je mettrai le lien sur Amazon d'un produit si vous voulez le prendre. Ça coûte vraiment pas cher. Il y en a partout, hein. Vraiment, il y en a partout dans tous les magasins de fringues, normalement. Ok. Wow, ça pue, gros. Normalement le bout est imperméable, mais je suis pas sûr à 100%. Déjà on va tester avec de l'eau et ensuite on va tester tout simplement avec des autres produits. Ok, c'est donc imperméable normalement maintenant. Je vais juste prendre le bouchon d'un vieux truc. Hop. Ok, on va tester ça et je vais mettre le mode ralenti sur mon portable pour voir un petit peu comment ça réagit. Donc là ça tient, mais je pense qu'il faut pas trop tarder parce que voilà. Ok, en fait le truc c'est que genre là ça a rien fait, vous voyez, par rapport à si c'était pas mis. Genre en fait là ça aurait bien pris l'eau, mais là ça l'a limite pas pris l'eau en fait. C'est passé entre les fils. Ouais, je crois que ça. Ok, en fait les fils ne sont même pas mouillés. La couture n'est même pas mouillée en fait. C'est juste que ça a traversé les petits trous des fils en fait. Je vais vous montrer un petit peu plus près. Genre en fait, genre il y a des tout petits trous, vous voyez, et en fait c'est passé par là, il me semble. Donc voilà, déjà premier test, ça passe très crème. Ensuite on va tester. Ok. On met le ketchup, ok. Ok, ok, ok. Et là. Alors par contre là pour le coup je suis vraiment satisfait. Donc pour le coup voilà, elle a genre rien. Donc voilà, malgré qu'elle soit mouillée parce qu'on peut pas aller sous l'eau avec nous. Je vais la mettre ailleurs là par contre pour le coup. Là on va tester un petit peu. Bah en fait la moutarde c'était la même chose hein, je pense. Go. Ok 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 ok. Là on prend l'eau. Voilà. Il y a juste les tout petits fils en fait. Ils ont pris quelque chose. Ah non, même pas. Là, juste à frotter et c'est bon. Là, la chaussure, ok. Et après, en fait, vous voulez juste à faire comme ça. Ok. On va le faire là. Hein. Et on va faire un truc genre à 1000 likes. Je le fais avec la pâte magique là. Pour voir ce que ça donne sur une Yeezy. Ok. Il faut juste prendre ça en avance parce que sinon. On va être vraiment niqué, j'espère que là ça va bien le faire. Si les autres fois ça c'est bien fait en fait, mais en fait quand je les nettoie ça prend un petit peu l'eau, enfin c'est normal. C'est pas non plus genre pour aller sous l'eau et tout, genre c'est pas waterproof. Ah ça me donne faim putain. Ah putain. Eh j'en ai ras le cul moi. Ok comment on va tester ça Oh c'est ouf. Oh c'est ouf. Oh je suis choqué. Oh ça a même pas. Je suis choqué les amis. Ça n'a même pas touché. Genre je suis choqué. On a juste un petit peu sur le lacet. C'est enlevé. Un petit peu ici. Parce que c'était pas trop imperméable ici. Genre j'ai pas mis le produit ici. T'as juste à faire ça gros et ça part. No fake hein. Genre en fait ça. Ça comment dire. Ça a renvoyé le yop en fait, enfin genre, j'ai mis contre la paroi, on n'aurait pas dit, mais j'ai mis contre la paroi, c'est ouf, hein. Wouah. L'eau, hop. Et voilà.
C'est ouf, hein. Vraiment c'est ouf. Là je vais juste attendre que ça sèche un petit peu l'eau. Le yop, il n'y a plus de yop. C'est ouf, hein. Vraiment c'est ouf les amis. Bon voilà les amis, après avoir nettoyé tout ça, bah le test est concluant. Il y a quelques petites traces de ketchup, il me semble, même que je ne vois plus là comme ça. Non, tout est parti. Je regarde bien, mais non, tout est parti en fait, ouais, tout est parti, rien n'est resté. Juste l'eau, bien sûr, hein. Il y a un tout petit peu d'eau quand même. Parce que vous avez vu les tonnes d'eau que j'ai versé dessus, j'ai versé plus d'une demi-bouteille de cristalline. C'est sûr que là, ça change quand même la donne, quoi. Mais c'est normal, quoi, je veux dire, à quel moment tu te reçois une bouteille d'eau en petit sur la chaussure, quoi, dans la vie de tous les jours. Donc voilà, les amis, j'ai fait un petit crash test, comme on les aime. Et puis voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à, on va dire, allez, 1000 likes, je refais un épisode avec le slime, en fait, où est-ce que je mets du slime dessus. Le produit, les amis, voilà, je vous mettrai dans la description le produit, y a pas de souci. Je vous le mettrai, puis au moins, vous allez voir, je vous mets un lien sur Amazon. Je regarderai les avis, en fait, des acheteurs pour voir si c'est bien ou pas. Donc voilà, je vais regarder les avis, je vais regarder les meilleurs produits au meilleur prix pour vous. Et je vous les mets dans la description. Donc si vous voulez actuellement un produit pour faire comme ça, et bah regardez dans la description, il y aura un lien, le lien le plus, on va dire, le plus sûr en fait. Et le moins cher. Après je garantis pas que ce sera le moins cher, après je sais pas. Donc voilà, moi je vous laisse, merci d'avoir regardé. Je vous fais de gros bisous, proposez-moi des autres crash tests. Et puis voilà, gros bisous à vous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo les mecs.